Donc, en conclusion, pour vous dire que cette semaine, les consultations ont trop tourné vers des échecs de la population issue du choix des parents. Je dis bien le choix des parents. On va toujours nous mettre en prière. Nous allons toujours envoyer de la lumière. Je vais toujours envoyer les bénédictions comme je le peux. La lumière dont je peux diriger. Les énergies positives dont je peux drainer vers tous mes abonnés afin de vous encourager à faire un travail sérieux sur vous, un travail de recherche intérieure, un travail de transformation. Parce que c'est cette transformation et cette orientation qui vous correspond, qui correspond à votre destin, à votre destinée, qui va finalement vous ouvrir des portes auxquelles vous n'allez plus trop vous concentrer sur les parents, mais vous allez faire des efforts pour vous mettre au monde parce qu'on vous a déjà mis au monde. Bien malheur, comme disait mon papa, moi j'ai fait mon effort, je t'ai mis au monde. Remets-toi au monde, c'est-à-dire améliore-toi. Donc je crois que les énergies, les connaissances que je vais vous transmettre, ça va vous encourager à vous améliorer. Je le ferai aujourd'hui à 0h00 jusqu'à 0h24. Je vais envoyer la lumière la plus positive, la plus lumineuse vers tous mes réseaux, Facebook, YouTube et TikTok, afin de vous envoyer des pures énergies qui vont vous donner la force, le courage de voir clair avant de décider. Parce que notre destin se nourrit de nos décisions. Chaque décision qu'on prend réorganise, comme Maître Shaolin, qui manipule les énergies, chaque décision réorganise notre étoile, notre vie, notre destinée. Ainsi, vous allez voir que nous serons utiles à l'Afrique. Et je voulais aussi rappeler les présidents africains que cette semaine, il y a un coup d'État qui est prévu. Donc, vous qui n'êtes pas prudent, vous qui n'êtes pas encore, vous qui n'êtes pas levé pour être des panafricains de haut niveau, ah, en tout cas, ce coup d'État, je vous ai dit, c'est un vent. Comme disait mon grand-père, Kubung Niansa, Kubung Bané, Bungon Kubung. Donc, ce vent doit être compris et maîtrisé. Mais d'abord compris, ensuite maîtrisé. C'est comme ça que nous allons dire à ceux qui veulent nous exploiter de nous laisser en paix en tant qu'Africains. Allez, prenez soin de vous et n'oubliez pas, il faut toujours dominer le sorcier diabolique. Utep, bénédiction divine.